bon, le motherfucking swag de quand mes vidéos étaient bons. Là, récemment, il y en a pas mal qui me dit « Hey Kev, il me semble que tes vidéos sont rendues poches. » Puis pour être franc, ils ont pas tort. Fait qu'aujourd'hui, gros sujet, parce que je sais pas si c'est ça qui a marqué, mais il me semble que les menteurs se sont multipliés. Mais le problème avec ça, c'est quand tu dis n'importe quoi, telle date, t'es à tel endroit. Mais mon gars, t'as besoin d'être là, parce que dans le futur, à un moment donné, ça va revenir. Ah, t'étais pas là, faut te faire questionner. Toutes tes amis deviennent Sherlock Holmes. Dire n'importe quoi pour faire plaisir, c'est l'équivalence de jouer au domino en laissant la fenêtre ouverte pendant qu'il y a une tempête de neige. Tu sais jamais quand ça va souffler de ton bord et faire tomber tout le shit. Pas pire. Comme gag. En même temps, pense, t'sais, rappelle-toi, quand nos parents nous mentaient à propos du bonhomme 7 heures, il était 6 heures, 7 heures, puis je courais pour pas dépasser mon couvre-feu, parce que le bonhomme, il existait. Quand j'ai appris, c'était une légende urbaine, j'ai tué mes deux parents. Dans la majeure partie des enfants qui tuent leurs parents, c'est ça qui arrive, quand ils apprennent que c'est toute une mise en scène, ils veulent fou. Il est fou, puis il pogne des ustensiles, puis il poignarde un petit peu partout. Faut pas niaiser avec ça, c'est pas drôle. Tu sais, quand on dit qu'à chaque fois que tu craches en l'air, ça te retombe dans la face. Mais crée-moi, mon homme, c'est vrai en crache, ça. Ah, oh, oh, oh. Je dirais que plus que le temps avance, plus que direct nos paroles, bah, c'est un rôle secondaire. Laissons nos vêtements parler avec une belle voyante, oui. Comme l'enfant qui cria au loup, tu sais, lui disait n'importe quoi. À un moment donné, il y avait un loup à côté de lui, puis là, il était comme « Hey gang, un loup! » Ils sont jamais venus, puis ce gars-là s'est fait manger, puis il y a eu une mort atroce, esti. On dira ce qu'on voudra, mais tu perds la confiance de quelqu'un, tu peux pas la regagner à 100%. Tu peux la regagner à un certain degré, mais ça sera jamais aussi fort qu'elle était initialement. Que vous réalisez pas en disant n'importe quoi comme ça, c'est qu'éventuellement, tu te mets à y croire. Tu te retrouves toi-même dans un placebo. Un placebo qui est quelque chose que tu crois réel, mais qui ne l'est pas. N'oubliez jamais qu'une confiance bien soudée est composée d'acier, mais à constamment la fragilité de verre. Ouh! D'ailleurs, je faisais souvent des malaises, style avec ma copine. Elle ne se censure pas, mais à un point ridicule. Et je voudrais prôner ça, parler d'une façon directe, ne pas, même pas prendre de détour, juste être direct dans le fait que ça passe ou ça casse. S'accoutumer à ça, il me semble que les Québécois seraient plus forts si on serait capable de toujours être direct, même si au début, on serait plus souvent blessé, puis plus facilement choquable. À longue, on s'habituerait à ça, puis on développerait, je sais pas, un caractère peut-être plus fort. Sur ce, je m'appelle Kevin NVK, et je vous dis, vaut mieux blesser le monde étant soi-même que d'attirer l'admiration de tout le monde, jouant un personnage. Parce qu'au bout du compte, tu vas les décevoir dans le futur, c'est comme emprunter. Sur le coup, ouais, t'es content, toi. Mais dans le futur, il va falloir que tu le payes, ça. Fait que si tu regardes la vidéo, pis t'es rempli de mensonges, ben tu vas payer dans le futur, tu vas payer. Fait qu'on pis va le dire, bonne chance, mon chum! Et vidéo en général, là. Un jour,